Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmis ak Mapou Lakay. Nous pas de calavière. Nous avons fait effort. Nous avons commencé à améliorer. Et jeudi mardi, nous promettons pour une live. Mais nous venons parler d'un bagage qui est très sérieux là. C'est justement Elon Musk avec compagnie Starlink finalement voulait mettre pied dans le pays d'Haïti. Nous avons nous comprendre ça, ça veut dire en termes d'opportunité. Puisque monsieur gon service d'internet satellite quel que soit côté par contre si nous comprenons là on parle de internet et pas vieux bagay et Digicel la banou internet de qualité qui permet tout travail à distance qui permet par exemple moi même qui youtubeur mais n'importe monde qui travaille online ou doit nous déplacer à n'importe côté Haïti cap bay opportunité toi en bon jeune haïtien je dis à bon jeune haïtien qui te fait des séries d'activités mais le fait que vous pas un internet de qualité qui pas capable uploader autre yo coincé yo kembe yo esclave de un ensemble de compagnies. Maintenant on essaie comprendre profondeur bail là. C'est que dans semaine là nous t'ai apprendre n'a essayer montrer et plus particulièrement jeudi que ce passé là. SpaceX lui annoncé Starlink disponible dans République dominicaine, voisin nous. Bah, par contre, vous comprenez, non? Il a annoncé que, eh bien, Starlink disponible en République dominicaine. Donc, le gouvernement de la République dominicaine, qui nouvelle ça, il recevoir avec un pile excitation, puisque il pral bay accès à sa nouvelle high speed internet broadband dans Caraïbes là. OK? Et, déclaration ça vini après que, président dominicain Abinadel te visité et quartier général SpaceX dans Los Angeles, Californie, en mois de juin, qui s'est fait partie de l'agenda présidentiel là sous 9e sommet. Elle est venue, nous avons qui t'a dit, profiter à l'ouest. Donc, c'est charger notre compagnie, oui, qui est en République dominicaine. OK? Charger notre compagnie d'Internet. Mais yo même, yo pas grand faire. Et travail pour un petit groupe monde pour seul monde fait comme empêcher l'autre monde d'entrer non il y a besoin concurrence il y a besoin des services de qualité OK mais on a regardé pour comprendre le dossier Haïti là formellement mais ça qui est annoncé et SpaceX lui formellement demandé à CONATEL autorisation pour l'offrir service li dans le pays d'Haïti et CONATEL qui informe le public là que opérateur et fournisseur accès à internet en particulier que qu'il te recevoir depuis 5 juillet nous quand on a de août il te recevoir on demande autorisation de la part de SpaceX pour capable de fourniture en Haïti des services Starlink et de concert avec notre compagnie que les Swamap. Et Starlink sont service de qualité de large bande lié en constellation de 4408 satellites orbite terrestre avec et justement on latence assez réduite et maintenant j'aime comprendre ni là ma boba à l'agent lia yo dit yo actuellement entreprend examen dossier et ça CONATEL dit oui et ça c'est rapide pour approuver il a fait examen dossier mais entre-temps yo approuvé une initiative pour équiper et ses pilotes. Il dit, il faut commencer, non, bonne nouvelle. Il y a un essai pilote dans la direction de la protection civile sur une période de 4 mois. Bon, on a l'autre pilote encore sur 5 ans, en fait, dans 5 autres sites pour 2 ans. Essai pour 2 ans dans l'université Campus Christophe, dans Limonade, bibliothèque Michel Tardieu, hôtel. Donc, des institutions particulières. Mais on a un essai pilote sur 2 ans. Il parle de l'association haïtienne des TikTok, école Saint-François-Xavier de Wanamed. Ça, c'est côté où on va le faire. Il dit essai pilote sous 2 ans. Il dit c'est évalué, on va l'évaluer pour considération, pour concurrence. Et il a parlé de marché ou couverture de considérer. Il va le considérer tout pour prendre en compte caractéristiques des nouveaux services là, avantages li sur d'autres marchés et impact social économique sur les nouveaux services sous société. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais comprenez bien, Jean-Audi là, il y a style. Même m'te bien, en fait, m'te plus content si m'tende, même genre avec République Dominicaine, eh bien, il y a l'accès. OK? Parce que fallait comprendre que cause Starlink là, la parlé longtemps. Bon, mais c'est expliquer pour qu'on comprenne. Gon bon bagage qui t'a fait en bas, me songe de commencer déballer bagage ça. Mais ça que t'a fait en bas. N'a parlé là d'un bagage qui crucial, on parle de développement, communication. Pour développer fort gain communication, énergie tout bien entendu après ça. Aujourd'hui, je dis ça vous comprenez ça parler là. Nous avons possibilité pour nous libérer nous d'un bon petit service qui par une qualité pour que une grosse compagnie de la trempe de Starlink ban nos services. L'État plus bon tout le monde laisse une débarrasser de poser courant si possible de courant et DH. Même le monde paye comme. Vous comprenez? Si tu as une compagnie sérieuse justement qui te cabot courant, même leur payer le monde qu'on a besoin de courant leur besoin. Bon, ça sont l'autre débat puisque courant manque en présence physique et gain des zones compagnie sérieuse la libre et gain des côtés la traverser. Vous comprenez? Et il va calmer des monnaies touchées, ces âmes qui sont là. Ça, c'est l'autre aspect. Maintenant, on retourne sur ça, Nabdou là. Président Lambert, bon, il est toujours président Parlement jusqu'à présent. Il était en délégation qui se tient en Haïti, des ingénieurs, des experts. Dans le ministère des Travaux publics, ils sont allés dans SpaceX pour montrer ça cap manigancé. Ils ont demandé une quote sous le projet Starlink. OK, pour Haïti vin candidat. Qui j'ai au même yo vle? Qui j'ai au vle? Yo vle pour que Starlink bail service li avec et Mabdoui une compagnie en Haïti et nous voulons parler de Access Haïti. Mais j'en parle là. C'est comme quoi Access Haïti t'a pral acheter dans SpaceX et puis vendre nous li à un premium. Donc, toujours dans le cadre de accaparer exclusivité. Bagay ça. Parce que nous comprenons. Ils ont négocié, ils ont baillé Starlink jusqu'à sûrement fin année 2022 pour le 10 ça les fait. OK? So, toujours dans la bataille, c'est une avancée technologique. Tout le monde a profité. Regardez ça qu'a fait dans l'Ukraine là. Il y a une façon qui fait l'Ukraine a frappé. Et là aussi, là, c'est à cause de Starlink, oui. Internet via satellite. Bon, c'est que son deuxième libération, on a parlé là, Internet là. Peut-être qu'on a besoin qu'on ait à penser qu'il y a une libérer le courant qui va permettre que des gens à distance font bonne bagage. Je voulais dire qu'on bonne bagage qui fait à distance. À l'aide d'Internet, mes amis, on peut arrêter de loin la font opération. Bon, je viens avec ce sujet ça. On est capable de piloter un bagage à distance à l'aide d'Internet là. Ils doivent faire une opération à distance. Moi-même à l'hôpital, j'ai un docteur qui présente moi et son écran apparaît. Il a fait consultation pour moi, le docteur n'est pas présent, bien loin. Donc, je continue de comprendre la puissance Internet. Là. Je dis à plusieurs personnes à pas acheter service dans des experts, sauf que les gens font des bagages bien, ou qui vendent des services un peu partout à distance. Bon, bonne bagage qui fait à distance. Donc, c'est vraiment une porte qui sont ouvris là énorme. Mais maintenant nous dédou ça qu'a fait en bas pour essayer de privatiser accaparer. Je dis ah par contre si honte nèg honte parce que c'est dans ce maintenant là cause Abinadel là qui dit désormais belle nouvelle tout le monde content yo dou yo gagne Starlink en République dominicaine. Je dis ah nouvelle là qui s'allier ouais a marché en pas de torti m'bo garantie là pile comme ou dans les autres on fait d'évaluation et pas 5 comme qui va pas l'investir là pour empêcher causer ça là. Mais où est que me dédoute une délégation parlementaire qui a commencé à faire négociation depuis en l'air pour accaparer et là nous sommes qui intelligent. Vous comprenez? Il dit qui bail ça pour mal bail exclusivité et bagaille. Vous comprenez? So donc il pas entrer dans la logique ça. OK? Et donc, je demande ça, il dit disponible jusqu'à 31 2022. Si il pas répondre, il dit au parle de faire l'autre bagage. Donc, mais j'en parle là, moi, je pense que ça a demandé justement une influence de tout le monde pour. Ça n'a pas parlé de libérer Internet, tout le monde a plaigné, même si on a parlé avec nos amis là, et sur WhatsApp. Vous comprenez? Comment c'est ton bagage? Ça dépend des côtés de mon nom. Mon nom doit être à la bon, même fois, mauvais hôte. On a parlé de la, de Internet de qualité, la bon pour individu, la bon même tout qui n'a business, ou même qui gagne télévision, ou même qui gagne radio. Ok. Parce que c'est un gros problème cap de résoudre là. Et il faut que Sispon fait d'appui. Vous comprenez? Et il faut que Sispon fait d'appui sous la liberté pour nous circuler sur net là. Et de ça, on a parlé là. Et donc, voilà, et dossier à l'in en phase évaluation. Bon, garantie, Digicel va mettre comme d'ailleurs là. Parce que, en clair, automatiquement, Starlink vient là, la bon Internet, qui ça, qui moun qui parle pour Internet dans mes Digicel. Dès pour gagner bon Internet, vous connaissez là, vous n'avez pas moyen pour communiquer tout. Service de communication là-dedans tout. Dès pour gagner bon Internet, vous tout bon service de communication là-dedans, ça passe. Sortant de Digicel là, il y a presque pour le conjuguer au passé composé. Oui? Yeah. Maintenant, on parle. Qui est le service Internet là? Qui ça qui dit? On a parlé là, Starlink, combien il coûte? Il a parlé de $99 par mois. Mais on a fait qu'entrer, monsieur mon abba, on causé de $500. $499. Il dit pour équipement, ça. Mais on a gagné pour que vous baille et on cause de $100 par mois. Mais le téléphone a augmenté pour moi de ma soeur qu'on ait l'inflation. C'est $99 par mois. Mais je crois à cause de l'inflation, tout côté augmenté comme ça. L'idée passée li a on a fait de $110. Inflation, il était considéré inflation. Donc, il est arrivé à $110. Et pour joindre Internet, au débit, côté que vous avez bon speed pour download et upload entre 100 à 200 mégabytes. Vous comprenez? 200 mégabytes. Donc, c'est un Internet vraiment à haut débit et nous pensons que c'est vraiment assez intéressant là. Et donc, c'est un dossier que nous supposons veiller de près. De près. Bon garantie, nouvelle ça tombe dans les oreilles et Digicel là. Digicel qui fait mal là. Faut mettre tout ça en bas page Digicel lui. Parce que moun yo a pas son calamité, son nouvelle qui t'a dit calamité en pile moun presque bout. OK? Calamité en pile moun presque bout. Mais ça t'avait dit, il est clair, on ne va pas tête nous mentir. Starlink nous veut sur le marché là, qui doit le dire, c'est Natcom, Net, Access. Il y a bien problème. Il y a bien problème. Les services ne sont pas bons même. Il y a bien problème, oui là. Maintenant, je pense que nous avons bien pour décider. Parce que il y a des amitailles, il y a des relations dans le gouvernement. Et oh, c'est là. C'est la bataille la bataille là. Parce que vous prenez la bataille pour suivre. Passez-y, ouais, que Digicel, Natcom, iNet, Access, yo mettez tête ensemble. Nous, les amis, pas pour livrer bataille là. Son bataille de l'existence, oui, a mené là. Nous rappelons période. Nous rappelons période, et là, on a parlé de WhatsApp. Yo te fait du WhatsApp. Vous choisissez une période, les gens sont comme pour payer, pour passer à peine. Quand vous avez bien sérieux, monsieur, comme si vous m'avez interdit pour vous installer WhatsApp là sur téléphone, nous, boss. Nous devons interdire pour installer une app sur téléphone pour comprendre Jean Baila. Donc voilà, gars, et j'ai information. Nous-mêmes, nous avons souhaité que, pressé, même Jean-Saint-Domingue se dit là, que ça a prouvé. Mais son long route, oui. Pas penser, nous style là-dedans, mais il l'a fait pour nous comprendre. Parce qu'il y a un pile d'intérêt à causer ça là. OK? Donc voilà, gars, nous t'ai porté update ça pour vous. Pas oublier. Toujours été connecté avec nous, Eli. Bye bye tout le monde.